a deux spécialités et deux disciplines des courses, le trot et le plat. Nous courons exactement 4 fois en plat et 21 fois au trot. Des bénévoles, il y en a beaucoup, je pense une trentaine pour participer. Et puis également, c'est une petite entreprise avec des salariés à temps complet, mais vous avez raison, ce qui compte, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur les bénévoles qui sont comme moi des passionnés de ce magnifique sport. Moi, je suis passionné de cheval et de course de chevaux depuis ma plus tendre enfance. J'ai travaillé dans l'institution des courses pendant plus de 15 ans. Donc c'était un moyen de rendre l'appareil et de donner du temps et un peu de ma compétence technique et mon expertise dans le domaine des courses au service de l'Hippodrome d'Amiens. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les partenaires, les prospects qui viennent visiter pour certains l'Hippodrome pour la première fois, leur faire découvrir les différents espaces, leur expliquer les coulisses un peu d'une réunion de course et puis de les aider à imaginer comment ils pourraient louer un espace sur l'Hippodrome ou organiser des événements en partenariat avec l'Hippodrome. Oh, il y a 5-6 fois que je viens faire du road car pour faire plaisir aux gens et puis voilà. Bon, on est heureux, c'est un truc, ça vaut le coup d'être vécu quoi, c'est super, c'est magnifique. Et de les voir avec le sourire faire 2 tours de piste, pour eux c'est magnifique quoi. Et ils se disent, ouais, mince, ils vont vite, hein, ils galopent bien, je dis non, c'est des trotteurs. C'est marrant quoi, c'est super, c'est bien. Ouais, non, il y a une très bonne ambiance sur l'hippodrome, hein. Non, c'est très bien. On s'entend bien, nous en tant que professionnels et tout, c'est pareil, hein. Il y a une bonne ambiance. Oh, je suis du bénévole depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, en fonction de commissaire bénévole sur les hippodromes du nord de la France et de l'Est également. Voilà, sur plusieurs hippodromes et voilà, c'est une passion qui nous anime parce que la passion des trotteurs elle est depuis tout petit, donc avec les grands-parents et les parents qui étaient dans les trotteurs. Donc voilà, c'est une passion qu'on a continué, même en tant que driver amateur, voilà. Donc et maintenant on s'est reporté en tant que commissaire.